Balia biso na fela santo simba kisi metobimi to betel bango chita sima ba mama na ba festival amonde to zokende meto ana biso na posara ya kin na biso ya kongo na biso to eba na kongo mikili ana ngoka mboka to obete na biso ka bato me kongo nde makambu kin nde makambu donc mingolo beate kingolo kinyata yangwana mbanga pasi douleur de mâchoire. Yango yango baya ya bazawana 1000 baguettes azawana goloba donc yeyo ouais bana kini bino moko boye bi Congo Kinshasa musala ne makambu bote ngai vraiment boye boye sala boulot e futa biso to bomi mutute to sali logo moko te mais to pesika kinyata luka to pesika kinyata e pesi na makambu. Donc, il y a des poteaux qui sont en danger, musique quand. Tu as 500 000 poteaux. Donc, 500 000 poteaux. Café couleur. Tu as 500 000 poteaux. Donc, il y a des gens qui sont en danger. Donc, vous avez un café couleur. Café couleur, les 25 en Belgique. Tombé. Tombé. Inosbi, Arbeta, Naza, Arbeta, Tiwa, Sava, Arbeta, Bisson, Arbeta, Souba, Tassouka. Donc, il y a des gens qui sont en coup de gorge. Rock music international King Ngolo Kinyata Makambo Ikolo toujours on fly Kambu, ya mashike ngina bodo ngina kili, apana kupesa wapeti kwa fesu wapeti batakuba lukela, makambu. Ngongolo kinyata deja na mikili. Elenga kufivu zana bulo, soko sali toko liate, biso to sali matosi, yango mwememi biso poto. Manza. Yango. Ya yeah, makambo yango yo, kafe couleur. Tozo panza ndiba esprit donki milimu. Matote boyo kato tengami. Donc, j'ai ça bien quoi. Ouais, King Ngolo Kinyata a déjà en tournée européenne quoi. Donc, voilà. On a déjà joué, on avait joué avant-hier à Göteborg, en Suède.
Donc, les lots et autres préparés par Mme Soussou. Donc, voilà, tournée à Moulay. Un concert encore en Allemagne, basé la mission en Allemagne, Tozoya, basé la mission en Belgique, le 25, Tozawana, donc, coup de gorge. Donc, Kalaming est dans la plateforme, on a film et documentaire Pézali, tout ça dans la tournée européenne. Kalaming est dans la tournée Kinyata. Il y a un machin qui est à Bodo, qui est à Kiri, I think, avec Kingongolo, Kinyata. Après, on a coupé sa petite confiance, on a coupé la Kela, toujours, Makambo. Bino moko bomoni ye moko ye wana ye tanga ye bisi bino deja foti otimba inspiration au zion wa pour moi oyo sikoyo babenga kango Kinyata 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 parce que zomona awa o babenga ngo création spirituelle ouais création spirituelle de recherche makambo oto sali tv tv mona ma tv mais ezo beta o comprendre tv ma bitu Télévision. Donc, une fois de plus, un grand merci. Hein. Donc, c'est Kingongolo Kinyata en tournée européenne. Ouais. Donc, voilà, et l'histoire est tellement longue, je ne saurais pas tout dire du coup. Et voilà, et avec les prochaines occasions, on aura à tout dire. Voilà. Mais pour l'instant, je peux dire qu'on est en préparation et en plein studio pour l'enregistrement de notre album qui sera bientôt dans vos plateformes. Et préparez-vous aussi à recevoir un EP. On va bientôt sortir un EP qui sera très bientôt là et sur le marché, quoi. Donc, on est en pleine tournée. On avait joué en Suède, comme je venais de le dire tout à l'heure, à Göteborg. Et nous sommes de retour maintenant à Paris. On prépare Couleur Café, le festival Couleur Café de la Belgique, Bruxelles. Festival Fusion de l'Allemagne. Il y a aussi le Portugal. Il y a plein de dates, donc voilà. Et pour l'instant, c'était un jour de répétition. Et voilà, et on a été vraiment honorés par la présence de notre big journaliste qu'on connaît tous. Un mec, les noms, c'est... Ouais, voilà, c'est vraiment notre un frère à nous. Nous avons été très honorés de sa présence. Donc, merci beaucoup à tous nos fans qui nous ont toujours soutenus. Et ne jouons pas la musique seulement pour nos frères de l'Europe, nos frères de l'Amérique. Non, donc nous faisons une musique pour tout le monde. Donc, on n'a pas de barrière. Donc, on joue pour tout le monde. Donc, voilà. Merci une fois de plus. Merci à tous les Congolais. Bientôt, on sera de retour à Kinshasa. Merci. Ouais. C'est pour la première fois que vous êtes ici? Non, c'est pas pour la première fois, c'est pour la deuxième. Donc, en décembre 2022, l'année passée, on était là, on était en tournée. Et voilà, on avait des dates en France. On avait joué au festival Transmusical dans la ville de Rennes. Festival Transmusical dans la ville de Rennes et Festival Africolore à Paris, à Clichy. Donc je sais que vous, les habitants d'ici, vous connaissez. Donc on était à Clichy-sous-Bois. Et du coup, on était aussi à Bordeaux. Et là, c'était nos premières dates. Donc voilà, et nous y voilà. Et une fois de plus encore, en tournée maintenant européenne. Parce qu'en décembre, c'était qu'en France.
Donc maintenant, et nous y voilà en tournée européenne. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour nous aussi. Vous avez déjà du manager, du producteur et tout? Ouais, on a un manager qui est avec nous pour l'instant, il est à Bruxelles. Et on a notre label qui est là, Helico. Et voilà, et qui est représenté. Je ne sais pas si je vais citer les noms. Donc il y a Valentin qui est là et qui est notre prod, qui nous soutient, qui nous donne qui nous encourage toujours à bien faire les choses en nous mettant des moyens possibles de pouvoir accomplir ce qu'on a dans la tête. Voilà. Comment on peut vous joindre? Pour nous joindre, du coup, je vous envoie directement sur Instagram. Écrivez juste Kingongolo Kinyata. Donc, c'est un nom que j'aurai à expliquer même plus tard parce qu'on n'a pas assez de temps, on doit libérer l'espace. Donc, Kingongolo Kinyata, là, c'est notre page Instagram. Du coup, sur Facebook aussi, écrivez Kingongolo Kinyata. Vous aurez toutes les informations possibles. Donc, si vous avez aussi à nous parler, à nous proposer des concerts, des dates, et allez-y directement dans la page Helico Musique. Donc, c'est là que vous aurez tout ce que vous aurez comme préoccupations. Voilà. Vous aurez des réponses à toutes les préoccupations. Voilà. Ok, donc, merci. Ben voilà, le groupe Kingongolo Kinyata. Ouais. Donc, après la répétition, c'est déjà pour la deuxième fois ici en Europe. Donc, on va essayer un peu de discuter, de parler ensemble sur votre chaîne El Diacobo. C'est bien la première fois. Puis Shanky, mon défenseur de la presse européenne. Je suis là au four Moulin, rien que pour vous servir. Et puis c'est mon devoir. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Ouais, juste je voulais te demander pourquoi Kingongolo Kinyata. Bon, Kingongolo Kinyata, c'est tout premièrement la première inspiration qui. C'est le nom aussi. Ouais, le nom du groupe, ouais. c'est la première inspiration quoi. Ouais. On s'est juste inspiré de périodes où il y avait un sérieux problème d'électricité à Kinshasa. Donc, je sais que tous les Congolais et même ceux qui sont en Europe, ils connaissent dans les années 90, voilà, et même avant 90, on avait un problème d'électricité quoi. Donc, du coup, on a utilisé des lampes à pétrole. Voilà, des lampes à pétrole. Il y avait aussi des vendeurs ambulants de pétrole qui se promenaient, qui se baladaient dans des rues. Et ils avaient une bouteille en plastique. Et ils avaient aussi une boîte de conserve. À chaque fois qu'ils passaient dans des avenues, avec cette bouteille et cette boîte de conserve, ils jouaient les sons. Donc les sons qu'ils jouaient, donc, ça jouait directement Kingongolo, Kingongolo. Donc je crois que tous les Congolais connaissent ces sons. Ouais, Kingongolo. Donc du coup, et pour tous les Congolais, pour tout le monde, donc lorsqu'ils écoutent ces sons, ils se disent directement, ah, on a de la lumière. Pourquoi on a de la lumière? Parce qu'il y a du pétrole, il y a les marchands ambulants, les vendeurs ambulants du pétrole. Donc lorsqu'ils jouent ça, tout le monde s'est dit qu'on a déjà l'électricité parce que je vais acheter du pétrole et en achetant du pétrole, j'aurai directement de l'électricité. Donc voilà, et nous sommes inspirés par ça. Et donc notre musique, c'est comme une alerte. Donc c'est comme une lumière que nous amenons au Congo et partout dans le monde. Imagine ce qu'on fait, nos instruments. Et donc ces instruments ont été créés par nous-mêmes. Donc voilà, ce sont des choses un peu rares à voir dans notre pays. Et voilà pourquoi on a pu quand même donner ce nom Kingongolo Kinyata. Donc Kingongolo, c'est ce que je viens d'expliquer. Kinyata, c'est une sorte d'écraser quoi. Donc Kingongolo, nous on est là pour écraser. Donc barrière, chez nous d'abord, il n'y a pas de barrière. Devant nous, il n'y a pas de barrière. On écrase tout ce qui est barrière. Donc pour que la voie reste libre pour nous, voilà. Donc c'est un peu ça. Ah voilà. Ouais. Kingongolo Kinyata, réel plaisir pour moi aussi de vous voir. Et puis, comment dirais-je, j'espère que ce n'est pas la première fois. On aura aussi du temps de parler, de discuter à propos de votre groupe. Ouais. On est là, nous, la presse, derrière vous, pour vous soutenir. Et puis, c'est notre devoir de soutenir ou de promouvoir aussi notre culture, voilà. La musique de la République démocratique du Congo. Mais quel est, comment dirais-je, je n'ai pas encore retourné, quelle est votre source d'inspiration en fait? Bon, notre source d'inspiration, c'est d'abord tout ce qui nous entoure. Parce que nous faisons une musique de recyclage. Nous ramassons des boîtes de conserve, nous ramassons tout ce qui est plastique, tout ce qui est à jeter, nous les ramassons. Et nous nous arrêtons pas seulement à ramasser, nous achetons. Donc je peux acheter une marmite, en faire un instrument. Voilà, et du coup, tu viens de voir, il y avait une télé. Donc, une télé.
Bon, c'est une vieille, vieille télé qu'on a recyclée. Bon, on s'est dit, ça ne va pas seulement rester la télé comme avant. On se décide maintenant de nouveau de les créer, une batterie, donc un drum, quoi, comme on dit souvent à Kinshasa. Donc voilà, et c'est d'abord tout ce qui nous inspire, c'est ça, voilà. Notre source d'inspiration, c'est tout ce qui nous entoure, pardon. C'est ce que j'allais dire. Tout ce qui nous entoure, c'est ça qui est notre source d'inspiration. Ben, tu viens de me dire là, bientôt là, vous serez déjà au studio. Ouais, et nous sommes en train de préparer notre album qui sera bientôt dans le marché. Et l'EP, d'ici là, je crois, ça ne prendra pas un mois ou deux mois. Donc l'EP sera déjà dans le marché. Et nous venons de la répétition juste pour la préparation de l'album. Et voilà. On aura quoi comme surprise? Bon, il y a plusieurs surprises. Hein. Donc, il y a de belles mélodies et dans l'album. Il y a des instruments très bien à voir, à l'œil, des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein, voilà. Comme moi, j'ai une guitare. Donc, j'ai créé une guitare qui est hors du commun. Donc, ouais, même si vous regardez, vous verrez est-ce vraiment. Il y a aussi des différences des sons par rapport. Ouais, il y a des différences des sons. Et d'abord, ça produit les mêmes sons comme tous les instruments, comme toutes les guitares. Ouais. Et du coup, moi, j'ai essayé d'ajouter les effets, voilà, comme tu viens de voir tout à l'heure, les effets, voilà, pour donner encore une autre univers quoi, dans notre musique. Donc, voilà. J'espère aussi qu'on va découvrir où on va sortir. Donc, Ça dérange pas, ouais. Vous aurez le temps de découvrir, de passer, surtout mon frère, vraiment, je crois que tu auras le temps aussi de pouvoir passer, voir comment est-ce qu'on évolue dans le studio, voilà. Pour terminer, je sais pas, qu'est-ce que tu promets à tous les fans ou à tous les amoureux de la bonne musique? Vraiment à tous nos fans, à tous les amoureux de la bonne musique, et moi je peux leur promettre que nous avons une très belle recette pour eux, donc vraiment, et qu'ils soient seulement prêts à les recevoir. Donc il y a une belle recette, il y a de belles chansons, il y a de belles paroles édifiantes, voilà. Et comme une chanson que nous chantons, « Elengago vivre en aboulo », nous venons de les chanter tout à l'heure. Donc ça veut dire le plaisir de la vie en travaillant. Quand tu travailles, imagine, tu es autonome, donc tu peux te prendre en charge, tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu travailles. Et c'est le travail qui procure le bonheur. Donc imagine un peu ces thèmes. Donc ce sont des thèmes un peu rares à chanter, particulièrement dans notre pays. On ne chante pas plus ces genres de thèmes. Donc voilà, et nous avons vraiment écrit des chansons de telle façon et de telles chansons, voilà, ce sont des chansons qui édifient, quoi. Donc, ça va vraiment édifier nos fans, tous les amoureux de la bonne musique, voilà. Est-ce qu'il y a aussi du rumba chez vous? Ouais, il y a une chanson et rumba, et une chanson rumba, une chanson, et voilà, parce que on est beaucoup plus basé sur la musique un peu du genre occidental, voilà. Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité, sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Férégola, pour faire vibrer le Stade des Martyrs, ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa ideologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defoite. Chez Djonga de.
Che Djongade, awa, boko kuta, biloko nyonso bolingaka ya kotumba, loko la ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, puwaso ya kotumba. Esengali koyebake, Che Djongade, bafongo la kako banda mokole ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance zali kolala, adresse zaka kase moko, Che Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance lala ka awa nandenge ya defuate. Chaque vendredi, Bobana Kozua, Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya kosakanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande, CNN, Alligator, naba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakanate. E pi, chaque dimanche, sombele suka abisanga, ndebo kozua le grand chanteur. Emele alias de Mingongo, yende muta ko ndeko palo la awa, boko sentir betue bao différence. Yena Tele Mone Nami Yanani Che Djongade. Oui frère, Babi Djonga Futur Moto Rosso la 50 boîte La Kata King Che Djonga Ske Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko Che Djongade yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit mais pour notre origine, pour notre identité, la rumba ne doit pas manquer parce que c'est ça notre origine, voilà. Donc il y a la rumba aussi, il y a vraiment, ils vont aussi se retrouver. Hein. Nous, on ne peut pas bénéficier de ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Voilà, et on a plus donné, comment je peux dire, on a beaucoup plus regardé du côté occidental parce qu'ils savent au moins reconnaître, voilà, ils connaissent au moins la valeur des choses. Le contraire, chez nous, imagine chez nous ce qu'on fait. Et même le gouvernement n'a même pas l'œil sur nous. Et même nos frères congolais aussi, vraiment. Et vraiment, on se sent un peu négligé dans notre propre pays. Mais je n'aimerais pas que ça reste toujours le même cas. J'aimerais au moins que ça change. Parce que si les autres... S'il faut faire un appel... Ouais, vraiment, le grand appel que je pourrais faire, c'est juste de... Je conscientise seulement... Et, nos frères congolais et notre gouvernement de pouvoir nous aider, de pouvoir nous mettre la main et d'aller en avant parce que nous faisons la fierté de notre pays. Nous jouons dans des grands festivals partout dans le monde, voilà, et nous faisons la fierté de notre pays. À chaque fois que nous sommes sur scène, nous avons toujours les drapeaux de notre pays. Donc ça prouve déjà que l'amour que nous avons envers notre pays, quoi. Donc voilà, donc je demanderai seulement leur soutien et ça va vraiment beaucoup nous aider. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas, je peux prendre aussi nos frères. Ça ne dérange pas, ensemble avec vite fait, comme mot de la fin, je ne sais pas qu'est-ce bon, que tu veux dire. Bon, mot de la fin, je dirais un grand merci à tous qui nous ont soutenus, particulièrement à notre producteur Valentin Langlois. Et il s'est beaucoup battu. Hein. Avant de venir en décembre, on nous avait refusé le visa Schengen. C'était compliqué, donc c'était vraiment stressant. Mais il a fait de son mieux, il a donné beaucoup d'efforts, et voilà. Et en décembre, on était là, c'était grâce à lui, c'était avec son effort. Et de nouveau, on est encore là. Okay. Donc, les labels, c'est Helico, dont et Valentin Langlois est le producteur et le patron. Voilà. Donc, mais c'est un peu ça et c'est les grands messages que je peux passer. Vous avez eu aussi le soutien du ministre de la Culture, EA. Bon, ils ne nous ont jamais soutenus, ils ne nous ont jamais donné un coup de main. Donc, voilà. Et, donc, c'est un peu ça. On a vraiment besoin de leur soutien. Okay. Donc, vraiment, on a vraiment besoin de leur soutien. Ok, merci beaucoup, frère. C'est un donc, voilà. Bose la biso tozonga na kim deuxième fois ngo déjà toya ba aller retour bikende bizonga patrimoine il faut ba yo ka biso ba mona pe biso au drapeau mboka des hôtels ngo kinyata. Merci beaucoup, voilà, nous sommes pratiquement à la fin et ça qui jour on va avoir répétition vite fait vanda non ou vanda pe et moi bien si moi bien voilà. Oui, téléphone. Eh, bisous,
Et on a bien. Ouais, ouais. Ouais, salut partout dans le monde entier, vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres, les serviteurs Pichankimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au fond au moulin, rien que pour vous servir. Et puis, c'est mon devoir de vous informer. Et dans votre chaîne, Elengia Congo TV, la meilleure chaîne, chaîne d'actualité, chaîne à découverte, les autres qui ont découvert, bande de connaissances, ou bah, outil précisément, na Kinshasa. Babi musique, ils avaient ils ont là-bas différents donc artistes et oba bima na musique ne tient tout le monde à l'élo. Pour moi, c'est ma première fois na mona ben extrêmement beau na mona ne bas artiste bas tenga musique donc ils ont battu à soutenir tout ça vraiment beaucoup bas tout tout bas biso na monde entier na représenter bino orchestre au groupe au kingongolo kinyata bato balinga musique na ibike bato ota la biso chéri samba na pesi ba mbote belé bango bazana pona ba artiste ba bimisa ba artiste belé et pourquoi pas monsieur Mania André Mania je vais t'envoyer le lien donc pour regarder cette exclusivité j'ai fait avec nos artistes congolais donc beau soutenir bango vraiment ya wili mon chaîne les seuls et l'unique les véritables codes balinga ba initiative aboué Bernadette Massingula Blanche Kakier Bac donc biso lenga Congo to saka boulot na biso to yakawa non la Sabino orchestre au groupe Oyo King Ngolo Kinyata c'est pour la deuxième fois je vous signale au baye tourner na bango awa na poto donde bon baye we baye sa musique ba oki mate ba oki ne ba paye bele ba zo tambola na moni ba visa na bango do ya lobeza te bo mona ba image très simbele ngo aider biso au balancer ba image ba tourner na bango nyo so basali allez voilà restez toujours branchés dans votre chaîne Elengia Congo TV la meilleure chaîne fichanki mon le soldat de la presse quant à moi je vous dis donc voilà, je suis là avec King Ngolo Kinyata groupe Oyo. Donc bano babimi na ndenge na bango babimite, o tata boti bango mama boti bango te. Kande baloba ke musique eza vaste, ba artiste babimi to soutenir bango, to soutenir bana mboka. Le longa picha kimu na se déplacer pour na koya ko soutenir ko tia ba frère na ngapoa. Ba tout bolan na biso na monde entier. Donc voilà, makambo ko soutenir ba artiste ba obima. To taika na bandombolo, to taika na banini. Donc le lobe artiste est Oyo pe ba ye King Ngolo Kinyata bana o ba ye na musique na genre na ba on a yoki na leli donc yango na bomoni puis chanki mon les soldats de la presse et puis baza a vraiment donc au four moulin donc na ba manager na bango bazo assister bango baza logé c'est pour la deuxième fois ba ye en Europe ko sala ka musa na bango donc bazu ba visa na bango pour ba ye ko sala musa la on singa na ministre il y a culture, il faut aider nos artistes. Baza artistes baza ka ba vena biso ba werate, ba vena biso ba jibete ba fali pou paté. Artistes baze belé, bota la bato ba sa la fierté pe ba défendre drapeau. Ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc président Fatshi bana na obango yo ba congolais o ba défendre mboka. Donc libanda awa vraiment mindele na moni donc o ko balwa 200 000 mindele ba e ba tondika pona ko tala ko oyo musala oyo bande ko bazo sala vraiment to tia bango poa on est des congolais soutenons nos frères donc voilà artiste na biso bazana posa vraiment ba soutien tala na ba fort na bango moko ba komiti a na mboka o et puis ba voyager na budget ya mututé ba ye déjà deux fois donc elle qui sa ke photo tia bango maboko congolais nyo sona monde entier partout aux ali beta c'était ba coordonner na bango ezali on a bo benga bon encourager ba artiste donc c'est ça to tombe la culture na biso culture ya République démocratique du Congo notre musique donc voilà allez dire et puis je vous signale déjà que bientôt là l'artiste et musicien Francis Wandan en featuring avec Serge Mabiala, titre de la chanson Mille mots d'amour. Donc voilà, restez branchés dans votre chaîne Elengia Congo TV, la meilleure chaîne, chaîne d'actualité, chaîne de vitesse. Abonnez-vous et puis likez, commentez. Et puis je vous dis bye bye à la prochaine numéro. Ciao. Merci. Vous m'avez prêté 50 euros. Bien aimé dans le Seigneur, ceci vous concerne. L'église Source du Salut, en collaboration avec JC Diambileyi Ministry et Wafo Ministry organise une grande campagne d'évangélisation avec comme thème « C'est par la foi rien que par la foi ». Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023, de 14h30 à 20h. Avec des éminents orateurs remplis d'onction pour votre bénédiction, pasteur Jean Bosco Kankou, le jumeau de Bruxelles. L'apôtre Jean-Clément Diambileyi, grand écrivain et conférencier international. Le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Louange et l'adoration sera conduit par les adorateurs de l'Éternel, Sœur Sandra Mbouyi, Sœur Morija de la Côte d'Ivoire, Sœur Lydine Seya, Pasteur Moïse Matuta, Jonathan Mutanda et groupe GKG des Familles. Adresse, Birmingham Palace 112, 1070 Anderlecht Métro de la Croix. Cordiale bienvenue à tous. Créteil, 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 Nabé Yango trois fois.
na ville o nzamba pesi biso pona sala misala ya bunganga ya nzambe nzambe o abenginga ko banda bomwana na oetali prophétie pe délivrance nazala baptisé par apôtre Boulia l'église Bima na témoigner parce que na yekoli prophétie na yekoli délivrance na même sa mutu moko azola ndangai peut-être yoka maintenant nous au cas wa koyati na bonde lio na kombo na Yesu mekana nzambe na ngai toza dimanche à partir à 13h30 service ya prophétie bandi na délivrance yaka meka dimanche ezala ba malade ou si la raté bo auto ba maladie incurable possession ozolanda mozako douter longola na doute sango pembeni meka na nzambe na pension numéro à contact benga na ozolanda siko 07 66 27 40 02 au botati on a problème à santé ma kambozo dérange bando za na poto simbarati soko nzambe na nga sa prépoa biki sayo a délivrer yo to za na Créteil nzambe a pambola bino nyonso sacerdoce sera taraté jamais irata yon deux invités na nga dimanche à 13h30 mutalboso za la yo. Merci. Je suis la servante Claudine du ministère pour Christ pour tous à Paris. Nous vous attendons tous, venez nous rejoindre le dimanche de 13h30 à 16h30 pour notre culte prophétique. Nous sommes situés au 1 voie Félix Eboué à Créteil, très près de la CAF, en face de la CAF et près de l'hôpital Henri Mondor. Venez nombreux, nous vous attendons tous.